Bonsoir, bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Alors je viens de finir à l'instant la préparation. Alors je vous raconte pas, je suis un petit peu à la bourre. Mais c'est bon, tout est prêt. Coucou Perrine. Ah, alors on va Bonsoir baisser les le son. filles. Hop, voilà. Coucou à celles qui arrivent. Coucou Nicole. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis tardivement le fait qu'on fasse un live, mais ne vous inquiétez pas, tout pendant que je ne suis pas en vacances, il y a bien live tous les mercredis à 20h. Coucou Maryse, ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que tu vas bien, ma petite Maryse. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Alors ce soir, c'est atelier patouille, hein. Je vais vous faire voir un petit peu moi comment j'utilise la pâte à structure. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis que vous allez aimer ça surtout, hein. Donc voilà. Donc pour toutes celles qui arrivent, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Pour les petites nouvelles, eh bien bienvenue chez moi. Vous êtes sur la page Nini Stamp. Je m'appelle Virginie Julien et je suis démo depuis 5 ans. Et voilà, j'ai commencé les lives avec le confinement. En fait, je ne voyais plus mes clients, donc j'ai tenté le live. Et en fait, j'y prends goût, donc je suis là toutes les semaines, le mercredi à 20h, avec mes clientes, les copines que je connais pas, juste virtuellement, et puis bah, les petites nouvelles qui arrivent. Bienvenue. Voilà. Super, Maryse, bah, tant mieux. Je suis contente pour toi. Donc voilà, donc écoutez, ce soir c'est atelier patouille, donc pâte à structure. J'ai pas vraiment utilisé ça beaucoup avec mes clientes en atelier. Et ben, puisque j'ai eu pas mal de nouvelles dernièrement, et ben, je voulais aussi partager ça du coup avec toutes ces personnes. Donc voilà, donc me voici. Coucou Cécile, merci, c'est gentil. Un nouveau live ensemble. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver toutes les semaines en tout cas, c'est génial, c'est génial. Alors moi, je vous ai préparé plusieurs petites cartes, en fait, je vais vous faire voir. Et on va utiliser donc les pochoirs, les spatules, la pâte à structure, on en a deux au catalogue. Donc on en a une miroitante qui brille et puis une blanche. Donc on va utiliser ça. Et on va aussi... Bonsoir Marie-Jo. Ça fait plaisir aussi Marie-Jo. Et on va aussi avoir besoin d'un tapis silicone. Alors si vous n'avez pas une pochette transparente... Deux classeurs comme ceci fera l'affaire, hein. Vous pouvez prendre ça pour protéger votre plan de travail. D'ailleurs, moi, je vais m'en remettre un pour protéger. Je vais mettre ça après. Voilà. Je vais vous faire voir quelques projets que j'ai faits pour préparer cet atelier, mais je vais d'abord vous faire voir deux projets que j'avais faits bien avant pour des clients, pour des remerciements, pour s'amuser. Donc en fait, là, c'était juste une petite carte de remerciement avec mes petits papillons. Coucou Janine, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es avec ta petite fille? Je cherche son prénom, Noémie. Excuse-moi. Vous allez pouvoir vous amuser toutes les deux ensemble, en tout cas si elle est encore avec toi. Donc en fait ici j'avais juste fait un tamponnage tâche et après j'avais utilisé les pochoirs pâte à structure. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher, voilà. Là vous voyez bien le pochoir et c'est la pâte miroitante, donc c'est celle qui brille un petit peu, vous voyez, elle est scintillante. Donc ça moi c'est ma préférée, c'est celle que j'utilise tout le temps. Pas de souci Martine, t'inquiète pas, je viens de commencer pour faire voir les cartes, donc il n'y a pas de problème. Donc ça c'était des petites cartes pour faire remerciement et j'avais aussi fait celle-ci. Un peu plus dans les vintage, toujours avec la pâte à structure scintillante, mais cette fois-ci je l'avais mise sur du vanille et avec mon éponge j'avais donné un petit effet vieilli. Donc voilà, donc ça c'est une petite carte de Noël. Ah super, bah, si elle regarde, mais il faut même sortir le matériel là. Donc ce qu'il vous faut pour faire les projets de ce soir, donc ce n'est pas ces projets-là, hein. Là c'est vraiment des choses que moi j'avais fait avant que je vous fais voir et je vais vous en faire d'autres, voir d'autres tout de suite. Pour ce soir, il vous faut du papier blanc, du papier noir si vous voulez, du papier brune dune. Il vous faut bah, vos spatules, vos pochoirs et vos pâtes. La pochette plastifiée ou un tapis silicone, comme je vous disais. Et puis après, la déco, et bien, vous verrez au fur et à mesure comment vous voulez décorer vos cartes. On va déjà essentiellement faire tous nos fonds. Et après, on pourra décorer. Si on a le temps, on décorera une ou deux cartes en même temps. Donc moi, je vais vous faire voir.
Ah oui, ce qu'il vous faut aussi, j'ai oublié, parce que je l'ai dit dans la liste en plus, mais si je ne vous le dis pas. Donc, il va vous falloir des recharges d'encre, hein. Il va vous falloir des éponges pour les encreurs. Donc, moi, j'ai choisi trois couleurs d'encreurs. Voilà, vous pouvez prendre autant d'encreurs que vous voulez. Vous pouvez préparer devant vous, de toute façon, vous verrez au moment venu. Et il vous faudra les éponges pour les encreurs. Les recharges, les spatules, ça c'est très important. Et prévoyez, si vous avez vos pochoirs à côté de vous et que vous faites en même temps que moi, surtout prévoyez une bassine d'eau pour les faire tremper. Parce que dès qu'ils sont finis d'utiliser, il faut vite qu'on les fasse tremper, sinon on n'arrive pas à enlever la pâte à structure dessus. Voilà. Coucou Martine, je vois que tu es arrivée aussi, c'est super. Je vous dis bonjour à toutes celles qui arrivent et qui sont dans l'ombre. Coucou ma fille Elisa, qui sont dans l'ombre et puis qui restent discrètes. Ben, je vous fais un gros bisou et je vous fais coucou. Alors moi, je vous montre les projets, quelques projets que j'ai préparés comme ça pour m'amuser. Et donc du coup, qu'on va un peu réaliser ce soir. Alors ça ne sera pas peut-être pas les projets en entier, mais au moins... les fonds que je vous fais voir, d'accord? Donc là, la basique, déjà, on va commencer par la première des premières. Donc, c'est pâte à structure sous mes fleurs, voilà. Donc, vous la voyez, c'est des petits pois. Et après, bah, j'ai juste fait mes fleurs, donc voilà. Donc, en fait, ce soir, on va vraiment faire les fonds en priorité. Ensuite, j'ai la pâte à structure. Alors, je cherche dans l'ordre auquel je vais vous montrer. Là, je vais avoir aussi pâte à structure blanche. Voilà, une petite carte toute simple. Elle scintille. Vous avez vu, elle est magnifique, cette pâte. Je l'adore. Et ici, en fait, je l'ai en jaune. Eh oui, en jaune. Ici, on va faire... Donc, c'est là qu'on va utiliser les éponges. Donc, c'est là que vous choisissez vos couleurs d'encre, en fait, les filles, pour faire cette petite carte toute simple. Donc, vraiment, il n'y a pas plus simple, je crois. Et là, encore une autre carte pour faire avec différentes couleurs. Et sur le brune dune, donc moi j'ai fait celle-ci. Donc si vous avez du papier brune dune à côté de vous, votre pâte à structure, vous pouvez préparer. On pourra tester aussi sur le brune dune. J'ai préparé. Donc ça c'est vraiment les fonds que moi je vais vous faire faire ce soir, hein, ceux-là. Et à côté de ça, eh ben je vais vous montrer d'autres cartes que j'ai faites. Donc dans le même esprit que ce qu'on va faire en fin de compte, mais décorées autrement. Donc il y a celle-ci avec les pois. Il y a ça, c'est pour après. Donc, ça, c'est pas fini, mais c'était pour montrer... c'est mes essais, en fait, savoir ce que j'allais vous faire faire. Hein? Donc là, il y a deux couleurs. Et ici, c'était avec quatre couleurs. Donc, voilà. Donc, un peu dans le même esprit que celle-ci, en fait. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir tout ça. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, je vais vous dire un truc. En fait, si vous n'avez pas de pochoir, c'est possible hein, que vous n'ayez pas de pochoir chez vous, mais que vous avez de la pâte à structure, eh ben, c'est pas grave. On va pouvoir les fabriquer nous-mêmes, nos pochoirs, en fait. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit... Je suis en train de chercher, en fait, où est-ce que je vous ai mis ça. Voilà. Il suffit d'utiliser nos découpes. Donc là, par exemple, vous avez vu, c'était une ancienne découpe fleur. Eh bien, ça peut servir de pochoir. Vous la faites sur un carton plus épais et vous verrez que vous pouvez créer votre pochoir. Donc, c'est possible aussi de créer ces pochoirs avec nos découpes, les filles. Dans les coquelicots... Pour celles qui ont le gros coquelicot, alors attendez, je vous les cherche. Je les ai mises là. Voilà, celles qui ont ces découpes-là, les coquelicots, saison du coquelicot, voilà. Vous avez cette petite découpe dedans. Eh bien, ça fait un pochoir. Hein? Donc, vous pouvez l'utiliser comme pochoir. Celles qui ont les bordures, je pense à Janine, je pense à... Ah, je vais dire des bêtises, il y en a plein là qui me les ont achetées dernièrement. Donc, en fait, vous allez pouvoir utiliser ces bordures-là fleurs, dont celle-là, qui va rester sur le papier. Et du coup, vous découpez une bande de 4 ou 5 cm. Là, vous avez fait 4. 4 cm. Vous la découpez et vous la laissez dessus. D'accord? Eh bien, ça peut vous servir de pochoir. Vous voyez? Donc, moi, j'ai fait sur un papier parce que c'était un modèle. Mais vous pouvez le faire ou soit sur du rhodoïde, du papier fenêtré. Ou soit du papier cartonné un peu style céréales. Et en fait, là, vous avez l'exemple avec ce pochoir-là, ça donne ça. J'ai fait l'essai tout à l'heure et je trouve ça vraiment super sympa. Donc, en fait, on peut créer nos pochoirs. Donc là, vous avez ces deux découpes-là. Mais je suis sûre qu'avec celle-ci, on peut aussi faire un super pochoir très, très fin. J'ai pas eu le temps de tester, malheureusement, mais je pense qu'on peut. Dans les cadres ornementaux, on a celle-ci. Cette belle découpe-là. Eh bien, c'est pareil. Avec cette découpe, on peut faire un pochoir.
Donc voilà, donc regardez bien dans vos découpes que vous avez. Je suis sûre que vous pouvez trouver des pochoirs dans vos affaires. Ça, c'est sûr et certain. Là, vous avez l'exemple vraiment fait sur du carton ou du papier et ça marche, hein. Ça n'a même pas humidifié mon papier. Il est resté vraiment intact. Donc ça, c'était vraiment l'astuce si vous n'avez pas de pochoir comme ça. Après, vous pouvez aussi créer vos pochoirs avec des perfos, avec plein de choses. Si vous avez les machines ScanCut et tout ça, je pense que vous pouvez faire vos pochoirs vous-même. Donc, je range un peu mon petit bazar et on va se mettre au travail. En fait, ce qu'il vous faut, c'est du papier découpé et on pourra travailler ensemble et puis s'amuser, les filles. Voilà. J'espère que vous aimez et qu'on va passer un super moment à créer tout ça, toutes ces petites cartes ensemble. D'accord? Allez, on est parti. Je range ça déjà et je vais sortir mon papier. Hop, ça va là. Donc, on va commencer par celle-ci. Hop. Ah, on va faire celle-ci après. Je les mets dans l'ordre, comme ça, on va pouvoir. Et après, celle-ci. Et là, hop, voilà. Alors, on est parti? Je range tout ça. C'est bon pour vous? Merci Perrine, c'est gentil. Alors j'espère que tu as préparé des petits fonds à pâte parce que là, on va s'amuser, tu vas voir. Donc dans les pochoirs Stampin' Up, on a ces motifs-là que je vous fasse voir quand même. On a les arbres, on a ces sortes de feuillages, on va dire. On a les pois. En fait, les trois que j'utilise le plus, c'est ces trois-là. On a les arabesques et on a les pois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Celui-ci, j'ai encore un. J'arrive pas trop à l'utiliser. Peut-être parce qu'il est gros. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ces trois-là. Voilà. Ils sont arrivés depuis le catalogue de Noël l'année dernière. Et ils sont toujours au catalogue. Donc je suis bien contente. On a eu avant les briques, on a eu des petits losanges, on a eu des trucs super sympas aussi. Et maintenant on a ceux-là. Alors, moi j'ai préparé mes fonds de cartes pour commencer en fait. Donc là, je vais commencer par un fond très très aléatoire, celle-ci, où je fais de la. Ah mince, je vais pas y arriver, pardon. De la pâte à structure vraiment comme ça, quoi. Vous allez voir. La première utilisation, on va dire, de la pâte à structure, ça serait ça. Donc je vais juste changer de sous-main que je vais mettre comme ça là. Pour que je puisse enlever facilement ce qu'il y a ici. Donc là, en fait, on va mettre notre papier, la pâte à structure, le pochoir, et on va aller chercher la pâte à structure. Donc la pâte à structure, là, je vais prendre la miroitante pour garder cet effet un petit peu brillant. Et je vais, hop, prendre ma spatule, vous voyez. Donc je vais prendre ma pâte. Et je vais aller en mettre, alors pas partout cette fois-ci. Donc là, j'ai pris, vous prenez une base de papier basique. De toute façon, une fois que votre pâte est mise, vous pouvez couper après votre papier, il n'y a pas de souci. Et ça sèche très très vite, hein. Donc là, vous verrez après, vous, la carte que vous voulez faire avec, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais mettre ma pâte et je vais étaler, tout simplement. Donc là, hop. Donc j'en mets pas partout. C'est le but, c'est normal. On peut en mettre assez épais quand même. Alors moi, c'est vraiment un produit que j'adore utiliser. Et quand on est parti pareil, hein, faire des fonds de cartes, c'est un peu comme l'aquarelle en fait. On ne s'arrête plus. Voilà. Donc là, j'arrête là et j'enlève. Et là, déjà, on a un premier aspect pâte à structure super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez. Mais là, en plus, elle est scintillante. Elle est vraiment superbe, cette pâte. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous faire voir quelque chose. Mais du coup, ça sera la surprise. Je ne vais pas vous le montrer. Mais il faut que je les mette de côté. Sinon, je vais oublier. Alors, hop, je recherche mon projet. Ah, j'ai mis là. D'accord. Donc ça, il ne faudra pas que j'oublie de vous montrer ça tout à l'heure. Mais ça sera la surprise, du coup. Voilà. Donc là, on a fait le premier fond. On le laisse sécher. Hein, et du coup, on pourra après faire la petite carte si on a le temps. Hop, ça sèche. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous de ce premier fond? C'est pas mal, hein? Là, donc ça, c'était celle-ci. Après, je vais partir sur le brune dune directement. Comme ça, vous allez voir un petit peu que sur le brune dune. Oui, c'est sympa, Perrine. Je suis d'accord avec toi.
Sur le brune dune, vu que je suis dans la pâte blanche pour l'instant, en fin de compte, je vais faire tous mes fonds blancs. Et après, on pourra faire les fonds colorés. D'accord? Alors, là, je change de motif et je vais aller remplir entièrement mon pochoir brune dune parce que vous savez que c'est une couleur vintage un petit peu que j'aime beaucoup. Alors là, ça glisse. Mais je vais pouvoir faire ça. Dites-moi un petit peu qui fait en même temps que moi d'ailleurs. Tiens, que je suis curieuse. Je suis curieuse de voir un petit peu qui fait. Isa, toi, tu as la pâte à structure. Tu peux faire en même temps que ta marraine? Dis-moi. J'espère. Donc là, je reprends ma miroitante. Je vais aller mettre du coup de la pâte partout cette fois-ci. J'ai envie d'en mettre partout et de remplir. Hop. Marise, toi aussi, tu as la pâte à structure. Je pense que tu peux faire en même temps que moi. Alors, vous pouvez faire ça sur tout papier coloré. Hein. Moi, j'ai pris brune dune. Vous pouvez prendre du rose, du rouge, du bleu. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Oh, Marie-Josée, coucou! Alors, j'adore ce que tu fais, Marie-Jo. Je vais voir souvent ce que tu fais. J'aime beaucoup. Bienvenue chez moi. Bienvenue, la Québécoise. Ah, c'est cool. Grâce à Facebook, hein, on fait des belles rencontres quand même. Moi, j'adore. J'adore. Pas de souci, Jacqueline. Tu feras après, il n'y a pas de problème. Tu vas voir, c'est génial. Je ne sais pas si tu l'avais déjà fait, toi, Jacqueline. Peut-être au moment de Noël, il me semble. Voilà, donc là, je remplis vraiment entièrement. J'ai envie de remplir ce papier. Hop. Voilà. Alors on peut laisser plus ou moins épais, hein. Ça c'est vous qui voyez en fait. Et là, hop, suspense. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais alors sur le brune dune, ça claque. Ça claque aussi. C'est pas mal. Alors moi je les nettoie une fois que j'ai fini en fait. Mais comme là je vais faire beaucoup de cartes, Martine, je les enchaîne. Tu vois, c'est pour ça que je les enchaîne parce qu'en fait la pâte sèche très très vite. Donc, vu que mon pot est ouvert, eh ben, écoute, j'enquille, hein, je fais tout. Et j'ai préparé ma bassine d'eau à côté de moi. Et puis, je vais les mettre à tremper dès que ce sera fini. Mais avant, je veux tout vous faire voir. C'est pour ça. Donc, voilà. Je suis là, je te suis, mais je finis un mini. Pas de souci, Isa, tant pis. Tu feras plus tard. Voilà avec le brune dune ce que ça donne. Donc là, on a brune dune. Là, je vais vous remettre le premier qu'on a fait. Donc, les basiques. Hein. On a fait les basiques comme ça. Et je vais enlever la pâte avant qu'elle sèche. Voilà. Impeccable. Et là, je vais vous faire voir. Alors, celle-ci, je vais peut-être attendre après. Là, je vais refermer mon pot. On va faire notre fond en éponge. À l'éponge pour qu'on puisse continuer cette petite carte. Donc là, je mets de côté. Mes pochoirs, ils restent là et je vais prendre du coup, ça c'est après. Voilà. Il faut juste que je remette tout en place. Voilà. Et là, je voulais celui-ci. Voilà. Donc là, on va aller faire notre fond à l'éponge, les filles. Donc c'est pour faire celle-ci. D'accord? Donc là, on va aller avec l'éponge. Décorer en fait, vous colorez votre papier de fond avec ce que vous voulez. Moi j'ai pris trois couleurs, j'ai pris Narcisse Délice, Copacabana et Rose Rococo. Voilà, et on va aller colorer tout ça. Ah, tu n'as pas encore Kiki, pourtant je crois qu'on l'avait fait ensemble, il me semble, mais il n'y a pas de souci, Kiki, t'inquiète pas, ça va te redonner un petit peu les bases et voir comment on fait tout ça. Donc là, je vais juste enlever mon sous-main plastifié parce que là on va avoir besoin du papier en dessous et je vais le remettre après. Voilà. Donc là, je vais prendre mon rose rococo. Je vais toujours partir de ma base papier en fait. Je roule et je vais rentrer sur mon papier. Et je vais aller faire à plusieurs endroits comme ça la couleur rose rococo. Donc là, hop. Je vais aller en mettre un petit peu là, un petit peu par là. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu par là.
En fait, voilà, vous réfléchissez pas, en fin de compte, vous allez mettre votre couleur. Comme beaucoup de choses, hein, je pense que le scrap, il ne faut pas spécialement réfléchir. Super couleur. Alors, c'est pas Claude, c'est Valérie, c'est ça? Je crois que je me trompe. J'ai un doute. Reconfirme-moi, dis-moi. Ah, zut, je crois. Oui, on l'a fait en atelier, Christine. On l'avait même fait sur un sac noir, je me souviens. Avec le papillon, c'était génial. Alors là, après, je vais prendre mon jaune. Hop. Et je crois que c'est cette éponge-là. Voilà, c'est ça. Et là, je vais aller mettre pareil. Vous voyez, je ne réfléchis pas, j'y vais. On peut revenir dessus pour foncer. Hop. Voilà, voilà. Vous choisissez, même si vous voulez que deux couleurs, vous pouvez prendre que deux couleurs, même une seule. Alors, ce qu'on fait là, en fait, on pourrait aussi le faire avec le fond aquarelle, hein, de mettre la pâte à structure dessus, ça serait super joli. Je voulais pas refaire un fond aquarelle pour pas refaire ce qu'on a fait il y a pas longtemps, mais c'est une idée aussi, hein. Parce que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur pour le pochoir que je viens de vous faire voir tout à l'heure, le pochoir maison. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, voilà. Là, je vais prendre le Copacabana. Alors, je crois que c'est Valérie. Valérie, elle ne me répond pas. J'espère que je ne me suis pas trompée de prénom. Et là, je prends, voilà, Copacabana. Donc, l'avantage de l'éponge, en fait, c'est que ça nous fait un petit effet fondu, comme ça. Moi, j'aime beaucoup. C'est très doux. C'est très, très doux, l'éponge. Bonsoir, Nadine. Bienvenue. Hop. Et on peut repasser sur une autre petite couleur si on veut pour mélanger ensemble comme ça et éviter de faire un petit blanc à côté. Là, on va dire que j'ai fait plus de tons de couleur que de position de couleur que l'autre en fait. Ça change. Alors pour celles qui ont acheté les éponges il n'y a pas longtemps, voilà, vous pouvez faire votre fond. Voilà, voilà, je vais repasser un petit peu avec mon rococo. Comme ça. Et... voilà, donc là on a fait un fond à l'éponge basique, on va dire. On s'est amusé avec trois couleurs. Et là, on va pouvoir aller mettre la pâte à structure. Pendant ce temps-là, mes deux autres pâtes sont en train de sécher. Alors moi, Martine, les éponges, je les coupe en quatre. Donc à la base, elles sont en paquet de trois comme ceci. D'accord ? Moi, je les coupe en quatre. On peut aussi les couper en six, si on a qui coupe en six. Et j'en prends un par couleur en général. Tu vois, j'ai mis un papier. Bon, là, tu vois, c'est le papier brune d'une. C'est pas mon rococo. Je me suis trompée en les prenant, d'ailleurs. Et sinon, on peut aussi les laver. Vous pouvez les laver à 30 degrés. Donc, vous pouvez en avoir un paquet et puis les laver quand vous voulez. Moi, je les lave pas. Je les ai mises en sachet. Je les ai laissées dans le sachet, en fait, comme ça, avec leurs éponges. La rococo est là. Vous voyez, j'ai fait une bêtise. Mais ça ne s'est pas vu parce que je crois qu'en fait, une fois qu'elles sèchent, elles ne vont pas se remettre sur le papier, en fin de compte. Donc là, avec l'encre, j'ai fini. Donc c'est bon à savoir qu'on peut les laver. Et là, donc je vais enlever mes petits fonds qui sont là. Et on va pouvoir utiliser le pochoir. Hop. Le pochoir arabesque. Et du coup, j'ai envie de me mettre, hop, je ne vais pas le faire partout en fait, je vais le faire aux trois quarts de ma carte. Bon là, même la déco, hein, c'est très très simple, mais avec les couleurs, je pense que le pochoir et les couleurs en elles-mêmes font tout. En fin de compte, il ne faut pas beaucoup de déco, il ne faut pas charger spécialement. Donc voilà, hop, et là on est reparti avec la pâte miroitant. Donc là, je vais peut-être même utiliser que celle-là, parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc là, on réfléchit pas vraiment où on va, on dépose. Hop.
Ah, je passe devant la caméra, c'est peut-être pas l'idéal. Excusez-moi. Voilà. Et on recouvre notre pochoir. Je t'en prie, Martine, je t'en prie. Avec plaisir. Voilà. Et là, tchouk, j'enlève et j'ai mon fond qui est fait. Alors, je sais pas, moi j'adore en fait avec l'éponge comme ça. Je trouve que c'est tout doux. C'est vraiment sympa. Vous voyez le relief de la pâte aussi? C'est vraiment chouette. On a un scintillement, relief. On a vraiment tout pour un beau projet, quoi. Donc, ça peut être pour une couverture d'album. Ça peut être à l'intérieur d'un album, bien sûr. C'est vraiment. On peut s'en servir énormément de la pâte. Hop, donc là, on a fait déjà trois fonds. Vous avez vu, c'est quand même rapide en fait. Hein. On a fait trois fonds, donc trois cartes différentes pour l'instant. Hop, donc là, on a celle avec l'éponge qui est faite. Et là, on va partir. Du coup, ça c'est fait. Je m'organise, hein, j'essaye. Là, on va partir sur ces deux-là. Alors, très très simple aussi, hein, puisque c'est du blanc. Et après, on va commencer à aller dans la couleur, justement. Avant ça, je vais vous faire. Avant d'aller dans la couleur, je vais vous faire voir autre chose. Mais avant, je vous fais voir comment je fais, en fait, pour que ce soit si droit là et là. Hop, là et là. D'accord? Donc pour ça, eh bien, je vais prendre mon carré. Et je vais prendre mon scotch repositionnable. Donc, ça peut être du masking tape. Merci Perrine, c'est gentil. Fais-tu en même temps que moi, tu ne m'as pas dit. Tu as eu le temps de préparer un ou deux fonds quand même. Coucou à celles qui arrivent. Donc là, je vais aller mettre mon scotch repositionnable. Hop, je vais me mettre là. Donc j'essaye de prendre un repère avec mon sous-main qui est quadrillé en fait. Voilà, je vais couper. Et je vais faire la même chose à peu près là. Donc moi je me mets par rapport aux lignes de mon sous-main. Et voilà. Et là, eh bien, je vais positionner mon pochoir. Alors, je vais me faire une marque hein, parce que bah, de toute façon, on va se mettre sur le sous-main plastique. Hein. Ça va être mieux. Alors, sous-main plastique ou, je vous disais, pochette plastifiée, il n'y a pas de souci. Hein. La pochette plastifiée, de toute façon, vous en aurez besoin tout à l'heure si vous n'avez pas de tapis silicone. Donc là, hop, je vais me faire un repère. Eh bien, je vais me faire un repère avec ça, tiens. Ça va être pas mal. Donc là, comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse le trait noir avec mon pochoir, mais par sûreté, je me mets au bord comme ça. Et là, les filles, bah, c'est pareil. Je vais aller mettre. Pas de souci, Elisabeth, je commence. Tu vois, j'ai fait trois fonds pour l'instant. Donc j'explique un petit peu la pâte à structure. T'inquiète pas. Merci, c'est gentil Marie-Josée. À très bientôt. Et puis bien bonne, je ne sais pas si tu es le matin ou le soir, mais bonne journée ou bonne soirée à toi. À très bientôt en tout cas. Merci d'être venue. C'est gentil. Et là, hop, je vais aller mettre ma pâte. Alors, j'ai vu personne qui me disait qu'il faisait avec moi, ou alors j'ai loupé le commentaire. Je ne sais pas. Personne ne m'a dit. En après-midi. Alors, bon après-midi, Marie-Jo. Je te fais un bisou. À bientôt. Hop. Et là, quand j'enlève, hop. Voilà. Donc là, bah, ça paraît basique, hein, comme tout à l'heure. Mais en fait, quand on enlève le scotch. Voilà, ça permet d'enlever les bavures. Voilà. Donc, je le mets à la poubelle, hein, parce que de toute façon, la pâte n'étant pas sèche, ça serait que ça nous ferait faire des bêtises. Hop là. Et là, j'enlève aussi. Oh bah, j'ai trop appuyé sur mon papier. Tiens, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne me déchire jamais mon papier d'habitude.
Voilà. Hop. Et j'enlève l'autre partie. Donc là, en fait, j'ai bien... Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez toujours? Oui, c'est bon. Mais non, je suis attentive, bonne élève. Bon, bah tant pis, Cécile. La prochaine fois, tu feras en même temps que moi. Tu n'as pas le matériel, Martine. D'accord. Tu n'as pas de pâte à structure? Bah, pas de souci, Domi, hein. Et non, un petit reste de pâte, mais complètement sèche. Ah, alors essaye de mettre un petit peu d'eau, Momo, dedans. Alors là, il faut bien la refermer. Et ce qu'il faut aussi, c'est mettre du papier film vraiment à hauteur de votre pâte pour pas qu'elle sèche. Mais c'est vrai, quand on est un moment sans l'utiliser, malheureusement, ça arrive. Donc là, vous voyez qu'avec le masking tape, en fait, bon, j'ai déchiré un peu mon papier, hein, c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'ai fait une limite, en fin de compte. Donc je pourrais faire ça avec deux ou trois couleurs, ça pourrait être super sympa aussi. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait en blanc. Et après, bah, je ferai la même chose en jaune. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ma petite bande de pâte à structure. Donc là, je suis à mon quatrième fond. Et j'ai... ouais, ou je vous le fais voir tout à l'heure. Non, je vous le fais voir tout à l'heure. Allez, je repars sur mon jaune, du coup. On va partir sur la couleur. Donc pour la couleur, il va vous falloir le... Donc je vais ranger les cartes pour ne pas les abîmer. Il va vous falloir le tapis silicone qui est là. D'accord? Il va vous falloir de la pâte. Mais avant, je vais refaire mon masquage, on va dire. Ben non, Sniff, j'ai pas de pâte à structure. Ah ben mince alors, les filles. Il va falloir y penser si ça vous plaît. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Et puis la patouille, vous aviez bien aimé l'aquarelle. Alors je me suis dit, tiens, je vais leur faire faire la pâte à structure. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Ça vous permet de voir, pour une fois, vous faites un atelier avec moi en regardant. Et vous verrez plus tard pour le refaire. Déjà, vous pouvez faire un fond à l'éponge, vous avez vu, c'est pas compliqué. Alors là, je vais me mettre là. Hop, donc je me sers toujours de mon quadrillage. Et puis, je fais ma petite limite pour faire la pâte à structure, cette fois-ci de couleur. Voilà, donc là, je vais me servir de mon tapis silicone. Je vais mettre un peu de pâte. Hop. Même un peu, oui. Un peu. C'est pas grave, de toute façon, on s'en servira tout à l'heure. Et je vais mettre une goutte. Ouh, on va dire. Une goutte de. Je vais même en remettre plus parce que vu que ça va être assez foncé. Voilà. Alors le scotch, c'est du scotch repositionnable. Il y en a à Cultura de ce scotch-là. Il est génial. Il faudrait que je vous retrouve la boîte pour vous montrer l'emballage. Je regarde vite fait si je l'ai à côté de moi. Je sais que vous l'avez gardé. Ah, elle est là. Donc, en fait, c'est ce scotch-là. Et moi, avant, j'utilisais du masking tape, mais souvent, il déchirait mon papier. Et grâce à des petites clientes bien sympathiques, hein, elles m'ont fait connaître ce scotch. Elles me l'ont même offert. Donc, c'est vraiment très gentil. Hein. Merci, Marité et Nicole. Et avec ce scotch, en fait, je m'en sers aussi dans ma Big Shot pour tenir les dailles. Avant, je faisais avec le post-it, mais c'est beaucoup mieux. Et pour te faire des petits masques comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus pratique que le masking tape qui me déchirait le papier. Donc voilà. Donc si vous voulez faire une capture d'écran, il s'appelle comme ceci et on le trouve à Cultura. Peut-être aussi Bureau Vallée. Voilà. Donc là, j'ai mis ma goutte d'encre. Donc j'ai pris Mélodie de Mangue. Voilà, c'est ça. Et je vais aller faire mon petit mélange. Donc, celles qui ont l'outil touche à tout, eh bien, la petite spatule que vous avez là peut servir à faire les mélanges. D'ailleurs, je vais la préparer parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, on la met. Hop. Et on va pouvoir l'utiliser pour faire les mélanges aussi. Voilà. Donc là, je mets une seule goutte. Vous avez vu, c'est quand même assez concentré. Hein, ça suffit largement. Donc là, j'ai mon mélodie de manque. Si jamais je veux que ce soit plus clair, eh ben je vais rajouter de la pâte. Ce que je ferai certainement tout à l'heure pour une autre créa. Donc là, eh bien c'est pareil. On va prendre le pochoir. Et on va... Alors, je vais me mettre à la limite. Comme ça, je sais que je ne dépasse pas. Et je suis là. Donc là, c'est pas mal. Et du coup, les filles, eh ben c'est parti. On est parti avec la couleur cette fois-ci. Oui, Bureau Vallée, il me semble aussi, Monique. Tu as raison. Tu en as trouvé ? C'est vraiment génial hein, comme scotch. C'est tip top. Et pour tenir les dailles dans la Big Shot, je ne vous raconte pas, c'est le truc à avoir. Quoi. Voilà. C'est mieux que le post-it. Donc là, j'ai mis mon jaune.
vais aller bien au bord parce que j'ai des demi-ronds. Ah, j'en ai mis sur mon papier. Voilà pourquoi faut pas trop non plus être au bord, parce que bah, je cacherai avec une découpe. Et là, hop, quand j'enlève, j'ai des ronds jaunes. J'adore. Alors, je vais essayer avec mon dégommeur d'enlever la pâte. Ouais, bon, ça fait une petite tache, mais c'est pas grave. Après, quand on a des taches, et bah, c'est là qu'on enlève, qu'on voit avec la déco comment on va faire. Donc là, hop, je suis un peu basse, là, je me rends compte dans ma caméra. Je suis désolée, les filles, je n'avais pas vu. Alors, vous avez vu le haut du... C'est la même chose. Hein. Hop, voilà. Donc là, j'en ai aussi sur le scotch, hein, mais ça part à la poubelle. Hop, et je vais enlever l'autre partie. De rien, Elisabeth. Ah, c'est dommage. Bah écoute, tu feras en replay, puis tu me montreras, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de souci, Elisabeth. On ne peut pas tout faire. Hein. Voilà. Et là, eh bien, j'ai mon fond jaune pour pouvoir faire... là, j'avais fait du coup avec mes chutes, en fait. Avec des chutes de découpe, ça permet de faire des petites cartes sympas. Avec juste un petit fond de pâte à structure. Hop, donc ça, c'était pour les deux... comme ceci, pour vous montrer qu'avec le sparadrap, eh ben, on pouvait faire nos petites délimitations. Donc, ça, c'est sympa. Voilà, voilà. Donc, les premiers qu'on a fait sont certainement déjà secs, hein, parce que ça sèche très, très vite. Maintenant, je voulais vous montrer, du coup, avec... Je crois que c'est celui-ci. Je vérifie vite fait. Hop, c'est ça. Donc, en fait, là, on va pouvoir faire avec les couleurs, pareil, mais on va faire avec quatre couleurs. Voilà. Donc, on prend un papier. On va prendre... Donc, là, j'ai déjà du jaune. Toc. On va se mettre là. Je vais prendre de la pâte à structure et je vais mettre pour trois autres couleurs. Donc, là, le bleu. Le rose et le vert. Donc moi je fais quatre couleurs, vous pouvez faire moins, plus, ça c'est vous qui voyez. Il faut juste doser la pâte parce qu'une fois qu'elle est sortie, ben, c'est vrai que ça va être compliqué sinon. Donc là je vais prendre hop, trois spatules plus mon petit outil touche à tout qui va me mélanger une couleur. Je vais juste pousser celle-ci, voilà, et je vais prendre mes encres. Donc, je vais mettre une goutte. Alors, le matériel, je le fais tremper dans l'eau dès que c'est fini. Et puis, je nettoie. Je ne mets pas du tout de produit, en fait, Elisabeth. Je mets juste de l'eau. Il faut juste que ça trempe, en fin de compte. Il ne faut pas attendre pour mettre à tremper. Donc, dès que c'est fini, hop, ça part dans la bassine. Donc là, j'ai mis baie des Bermudes, grenouille guillerette pour le vert, mélodie de mangue, ben, je l'avais déjà. Et là, je mets une goutte de melon mambo. Voilà, pour faire le rose. Et là, je vais faire carrément un papier de 10, parce qu'après, je fais une bande de 5. Donc, je vais pouvoir faire deux cartes. Vous voyez, tout à l'heure, j'en avais une autre bande qui était là, ou là. Voilà, elle va être là plutôt. Voilà. Et du coup, ça me permet de faire deux cartes. Alors, j'aurais pu aussi, bien sûr, prendre carrément un papier 15-15 et me faire... oui, ça aurait été une astuce aussi, ça tient, de faire trois bandes dedans. Donc là, eh ben, je suis partie avec ce pochoir, qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. Et je vais le positionner de façon, voilà, hop, à être à peu près droite. Hein. on essaye. Tuc. Voilà, et là, eh ben, on va commencer avec les couleurs. Il faut peut-être les mélanger, Virginie, ça serait pas mal. Voilà, donc là, je fais mes petits mélanges. Alors, il faut savoir aussi que celles qui ont les pâtes à brochots, les pigments là que vous avez achetés quand ils étaient en déstockage, eh bien, vous pouvez aussi colorer la pâte avec vos brochots. Alors, ça, c'est une super idée aussi. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc, voilà. Donc là, si on veut rajouter, eh bien, on rajoute de la couleur pour faire un petit dégradé, pourquoi pas. Voilà, pour le rose, le vert... Alors, on est dans la patouille, là. Le vert, on fait la même chose.
Alors, le grenouille guirette est vraiment très très beau comme vert. Il est pétillant. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, Janine, as-tu ressorti ta pâte à structure? Il y a quoi, Bureau Vallée? Eh bien, les scotch comme ça, Martine. Tu peux les trouver là-bas. Donc, tu vois, la boîte, c'est ça. Tu peux les trouver là-bas. Voilà. Et là, je vais faire le B des Bermudes. Alors là, je suis partie dans les couleurs brillantes, mais avec le subtil, bien sûr, ça sera beaucoup plus clair. Ça peut être sympa aussi. Je vais remettre un peu de pâte parce que lui, il est vraiment foncé. Hop. Et là, j'arrive au fond de mon pot. Alors, je crois que la brillante, c'est vraiment ma préférée parce que je me dis que même à Noël, ça peut faire un effet neige. C'est génial. Vous pouvez mettre sur vos découpes branchettes et choses comme ça. Vous pouvez mettre comme si il y avait de la neige. C'est vraiment une texture super sympa. Alors, là, je vais démarrer avec mon rose et je vais le déposer comme ceci. Toc. Voilà. Alors, selon les spatules, il y en a qu'on aime bien utiliser et d'autres non, hein, parce que ça dépend de la dextérité qu'elle a. Mais c'est bien sympa d'en avoir plusieurs quand on fait des mélanges de pâtes. Voilà, donc là, hop. Voilà, après je vais aller mettre un petit peu de jaune. Tu as commencé. Ah, super, Janine. Elle va adorer Noémie, j'en suis sûre. Elle va kiffer. Et top les vacances chez mamie, moi je te le dis. Hein. C'est cool. J'ai hâte de voir du coup. En tout cas, celles qui refont après, hein, n'hésitez pas à vous montrer. Hein. Alors là, je veux voir. Alors vous voyez les recharges, on s'en sert pour la pâte à structure, mais on peut s'en servir aussi pour plein d'autres choses. Là, c'est la première fois que je vous fais voir des choses avec la recharge. Mais il y aura d'autres choses à venir avec, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment. En plus de recharger nos encreurs et nos feutres, on peut s'amuser. Donc là, hop, j'ai fini avec le jaune. Je vais attaquer avec le vert. Alors, j'ai jamais mis avec le vert, avec cette spatule. On va tester, mais j'ai peur. Par contre, c'est bien pour les mélanges, mais je pense que pour étaler, ça ne va pas être génial. Non, je ne vais pas étaler avec ça. Je vais prendre la grosse carrément. Hop. Voilà. Ça va être plus facile. Donc là, voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie. On peut repasser un peu sur les autres couleurs pour faire un style dégradé. C'est vraiment chouette. Alors, une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez plus vous arrêter, les filles, hein, je vous le dis. Hein. Parce que déjà, il faut utiliser la pâte que vous avez colorée. Hop. Et puis, vous allez tellement adorer ça. Hop. Et puis en plus, si vous créez vos propres pochoirs, vous allez voir, c'est super. Hop. Et là, je vais partir sur le B des Bermudes. Et voilà. Là, hop, un petit peu là. Donc des fois on retourne dans le vert, mais c'est pas grave, c'est ce qui va faire un petit dégradé. Puis je vais revenir avec mon rose. Voilà. Et cette carte, donc du coup une fois sèche, eh ben, je la coupe en deux et je vais juste aller la mettre sur sa carte noire. Je trouve que quand on fait un dégradé de couleur, le fait de mettre du noir en dessous, c'est génial, ça ressort encore plus notre travail. Là, hop, je vois qu'il n'y en a pas. Oui, il est magnifique. Oh, bah, Bene Bermude et Copacabana, c'est vraiment des beaux bleus. Ça fait penser à la mer. Et là, je vois que je peux peut-être mettre un peu de vert ici, parce que j'ai un petit trou de blanc. Voilà. Eh bien, écoutez, ce premier fond coloré a plusieurs couleurs est fait. Hop! Et là, j'enlève mon pochoir et voici le résultat. Voilà. Alors,
Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi? Ça, c'est le fond plusieurs couleurs. Voilà. C'est vraiment sympa, hein? Vous aimez? Ah, cool, je vois un cœur, deux cœurs, trois cœurs. Génial. Bon, bah, c'est cool, les filles. Si vous aimez, je suis contente. C'est ce qu'il faut. Donc là, vraiment, on a quelque chose de pétillant. C'est vraiment, ça peut être pour un anniversaire, une carte de vacances. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment super. Donc là, moi, je suis sur un sous-main plastifié que Nicole a eu la gentillesse de me faire. C'est vraiment top pour la patouille parce que du coup, vous voyez, la pâte, je l'enlève parfaitement. Donc, si vous avez l'occasion, même ne serait-ce que de plastifier une feuille de machine, hein, une feuille d'imprimante, faites-le parce que c'est top pour travailler dessus. Donc, c'est chouette. Ça, si vous n'avez pas le tapis silicone, c'est vraiment bien. Bon, bah, vous aimez là. Ah, Elisabeth, elle essaye demain. Super. Bah, je vais les voir fleurir vos petites cartes là, ça va être chouette. Donc là après, bah, je vais la couper en deux, je vais la mettre sur un papier noir et puis je vais pouvoir faire cette carte là. Donc là on est quand même au sixième fond fait avec. Et moi je vais vous en montrer deux autres. Je vais vous montrer deux autres fonds, dont un. Donc ça je range, c'est fait. Hop. Donc il y en a un. Et ben en fait on va le faire sur le noir. Je vais reprendre le même. Hop, je remets le même. Et comme ça, ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais mettre ça là. Et là, en fait, j'ai pas préparé de carte. J'avais juste fait un essai et j'ai trouvé ça tellement joli. J'ai dit, il faut que je fasse voir aux filles ce que ça donne. Donc là, hop, je positionne mon pochoir. J'essaye d'être droite, en fait. Voilà. Et je vais aller mettre de la pâte sur le noir. Alors vous allez voir que même sur le noir, c'est top. Franchement, c'est chouette. Après, je vais aller mettre du vert. Alors déjà, le vert sur le noir, le rose sur le noir, c'est super joli. On va mettre du jaune. Toc. Alors là, je réfléchis vraiment pas où je les mets. Hein. Je vous dis, je mets ça où ça me passe par la tête. Voilà. Et je vais finir avec le petit bleu. J'essaie juste de remplir les alvéoles vraiment quand je suis au milieu. Voilà. Et là, j'ai vu que. Ah ben si, je crois que c'est ci-là. Voilà. Pour être sûr qu'il y en ait. Voilà. Et là. Magie sur le noir aussi, c'est franchement super joli. T'as pas le matériel, Jacqueline, mince. Eh ben écoute, je croyais que t'en avais fait déjà avec moi pourtant. C'est joli, ça te plaît? Nicole aussi, super. Alors, je trouve ça trop beau sur le noir aussi. Je trouve ça vraiment sympa. Ça fait un peu plume de paon, ce pochoir-là est vraiment très sympa. Donc moi, j'avais fait avec l'autre pochoir comme ceci et ça donnait ça. Donc là, vous voyez. Et là, le jaune et le vert, on ne les voit pas trop. Par contre, ils sont un peu côte à côte. Mais ça fait un petit dégradé du coup. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et là, j'ai une autre technique à vous faire voir. Alors, je vais faire d'abord, vu que j'ai encore de la, vu que j'ai encore de la couleur, je vais faire avec vous le fond que j'ai utilisé pour la marguerite. Comme ça, je vais l'utiliser avant que ça sèche. Hein. Donc, du coup, là, c'était les petits ronds. Et les petits ronds. Hop, je vais les mettre dans ce sens. Tu n'aimes pas le noir? T'aimes pas le noir, Nicole? Oui, ça fait chic, moi je trouve aussi, c'est pour ça. Ouais. C'est là qu'on voit les goûts de chacune, c'est ça qui est bien aussi, les filles. Vous avez raison. Il faut avoir ses goûts. Et pas copier, enfin copier si, parce qu'on a le droit de copier. Hein, mais avoir ses idées et ses goûts, ça c'est très important. Donc là, je vais repartir avec le bleu pour faire le fond de celle-ci, du coup. Hop, j'aime beaucoup celle-ci.
Alors celle-ci, c'est une idée trouvée sur le net, par exemple. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Le net est fait pour ça, de toute façon, hein. C'est une mine d'inspiration. Et si on partage toutes ces astuces, c'est bien qu'on veut que vous copiez aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, j'ai fait mon bleu. Je vais repartir avec le vert. Hop. J'aime bien repasser sur la couleur d'avant en fait. Et ces petits pois là, ils sont vraiment sympas. Est-ce que Nicole, tu as de la pâte à structure chez toi, dis-moi? Je ne sais plus ce que tu m'avais dit. Hop, et là, je vais finir avec le jaune. J'en ai pas beaucoup de jaune, donc je vais essayer d'aller le plus droit possible ici déjà. Alors celles qui font de la peinture doivent connaître un petit peu les textures comme ça déjà. Et dans le scrap, eh ben oui, on peut utiliser aussi des pâtes. Et en plus, avec nos merveilleuses couleurs, eh ben, on peut les colorer. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, celui-ci va être fini. Et je pourrais refaire une petite carte avec. Voilà. Elle ne brille pas. Mais tu sais que tu peux rajouter des paillettes dedans, Nicole. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Au contraire, tu peux rajouter, quand tu fais tes petits mélanges comme ça, tu peux rajouter un petit peu de paillettes dedans. Donc voilà, celle-ci est faite. D'accord, Elisabeth, pas de souci. C'est dommage, tu ne vas pas voir la dernière technique que je vais montrer. Tu la verras en replay. Tant pis pour toi. Bonne soirée, Elisabeth. Donc là, c'était vraiment les pochoirs. Après, je vous ai montré les pochoirs colorés. Enfin, les encres, les pâtes, la pâte colorée, pardon. Et là, je vais vous montrer encore autre chose. Donc là, c'était vraiment pour refaire celle-ci, que j'aime beaucoup. Hop! Voilà, et je vais enlever tout ça, mon sopalin, je l'ai mis là. Eh oui, Nicole, eh oui. Tu aimes bien Domi? Bon, bah c'est super. Super, super. Donc, comme je disais, hein, les pochoirs, vous pouvez les faire vous-même hein, quand vous n'en avez pas. Et puis après, ben, de toute façon, un pochoir, c'est réutilisable à l'infini. Hein. Une fois qu'on le fait tremper, après, c'est bon. Donc là, je vais ranger ceux que je ne me sers plus. Hop! Voilà, je les ai mis dans l'eau, comme ça, il n'y a pas de problème. La spatule jaune, elle va aller dans l'eau aussi. Et puis, bah, ça, je vais les garder parce qu'il va falloir que je finisse des fonds quand même, que je fasse des fonds avec pour pas les gaspiller. Ça serait même bien que j'en fasse un tout de suite parce que sinon, quand ça sèche, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un petit papier. Hop! Et oui, Nicole. Donc, Nicole, demain, atelier pâte à structure, atelier pâte à structure pailletée. Là, je vais carrément couper un grand morceau, comme ça, je vais pouvoir faire un grand fond et que je pourrai après recouper. Voilà. Donc, j'ai mis les autres à laver, du coup, tant pis, je prends celui-là et je vais utiliser le reste de ma couleur. Avant de vous montrer la technique, la dernière, vous allez voir. Super sympa. Donc là, je ne réfléchis pas. Hein, c'est vraiment pour utiliser le reste de ma pâte. Et après, je pourrais faire des marque-pages, par exemple, avec. Pourquoi pas? Donc là, celle-là, elle peut aller à laver. Hop. Voilà. Oh, j'en ai plus beaucoup de pâtes, hein, mine de rien, mais. C'est un truc sans fin en fait.
Voilà. Et on va finir avec la bleue. Alors pour le coup, j'ai pris un grand papier. Il sera pas rempli, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour finir la pâte avec vous, pas qu'elle sèche. Là, je vois que j'en ai dessus. J'en profite. Je bouche les derniers trous. Et zouk! Voilà. Wow, j'adore. Trop beau. Donc là, on a fini avec la couleur. D'accord? Tu n'as pas de spatule, Nicole. Eh bien, écoute, vous savez ce que vous pouvez prendre? Une carte de crédit, une ancienne carte de fidélité. Une ancienne carte de crédit, bien sûr. Une carte de fidélité, quelque chose de souple. C'est très, très bien, les cartes. Essaye, essaye, tu verras. Quand il n'y a pas de... Quand vous n'avez pas, en général, il y a quand même pas mal de solutions. Quand même, quand même. Donc là, j'ai mis mon tapis silicone à tremper aussi. Du coup, hop, je vais le mettre en dessous. Voilà, je vais mettre, donc ce pochoir là je le mets pas parce que j'en ai besoin, et je vais vous faire voir du coup encore une petite technique. Je vais juste nettoyer une spatule parce que je les ai toutes mises à l'eau. Hop, voilà, et je vais l'essuyer. Voilà, donc là pour celles qui font avec moi, on va avoir besoin d'un pochoir en papier blanc. Merci Nicole, c'est gentil. Oh, ça me touche. Alors voyez là, celui-là, là, je l'adore. Hein. Oh, j'aime beaucoup le rendu. Et puis sur le brune dune, bah, je vous en parle même pas. Et là, je vais vous faire voir quelque chose. Donc je ne vous montre pas avant, on va le faire ensemble. Vous allez voir que c'est waouh, waouh, waouh. Et je pense que pour les fêtes de fin d'année, il y en a qui vont adorer. Alors je vais peut-être prendre l'autre pâte parce que je vois que celle-ci, j'ai plus grand-chose dedans. Donc là, vous voyez, elle est fermée comme ceci quand vous la recevez. Donc là, elle est toute neuve. Hop. Moi, en général, je n'enlève jamais le papier en entier pour bien le refermer. Et là, celle-ci, elle est toute blanche. Voilà, elle est vraiment blanche. Hop. Je vais mettre le pochoir. J'espère que le rose ne va pas. Je vais peut-être l'essuyer. Juste l'essuyer vite fait. Pour pas avoir de déchets en fait. Tu n'as comment Janine, tu l'avais déjà utilisé ta pâte ou pas? Du coup. Voilà. Donc là, je vais le secouer un petit peu. Et là, je vais remettre du coup mon pochoir. Je vais partir dans ce sens-là. Et j'essaye de me centrer, hein, comme d'habitude. Voilà, je vais mettre de la pâte. Alors, je prépare la suite avant, parce que sinon, je vais être embêtée. Je vais être embêtée. Voilà. Et voilà. Donc, je mets ma pâte, donc cette fois-ci blanche. J'en mets partout ou pas. Ça, c'est pas grave du tout s'il y en a partout ou pas partout. Alors, je suis en train de la colorer. Je m'en doutais un petit peu, parce que je voulais le faire tout à l'heure quand elle est... mon pochoir n'était pas sale, j'aurais dû. C'est pas grave, de toute façon. Hop. Et là, ça, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour les fêtes. Donc, je me mets du coup, je le remplis entièrement. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Donc, hop, voilà. Et là, j'enlève. Donc, il est coloré. Vous avez vu, c'est sympa aussi, remarquez. J'adore. Ah, j'aime beaucoup. C'est dommage, il ne va pas rester comme ça. Donc là, oh, c'est très pastel, c'est très joli. Je ne savais pas que ça allait déteindre. Donc j'aime beaucoup.
Je crois même que je vais pas l'utiliser, du coup je vais le laisser, hein, parce qu'il me plaît. Je refais vite fait un papier. Je refais vite fait un petit papier pour vous montrer la fameuse technique. Donc là, on va dire que je vous en ai inventé une en face de vous. Et je vais le remettre. Je suis désolée, hein. Oh là là, je continue avec ma pâte. Je continue à m'amuser en fait. C'est qui rigole là? J'ai vu un bonhomme rigoler. Hop, et je recommence. Ça va peut-être faire la même chose, hein. Non mais après je le garde pas, je vous promets. Je vous promets que je le garde pas celui-là et je crois que ça va refaire la même chose de toute façon. Donc en fait voilà, on peut même quand il y a de la couleur, on peut s'en servir avec du blanc, ça nous fait un petit dégradé, c'est pas mal du tout les filles. C'est Perrine qui rigole. Ah je vous jure. La Nini. Voilà. Tac. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout granuleuse comme la pailletée, parce que bah, bien sûr, il n'y a pas de paillettes. Elle est beaucoup plus lisse. Hop. Et voilà. Et là, j'enlève. D'accord. Et je vais enfin pouvoir vous montrer. Oh là là, les filles. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Donc ça, je le mets de côté sur le rebord, parce que comme il est un petit peu coloré, et je referme tout de suite ma pâte. Donc là, l'astuce que je voulais vous montrer, donc je vais mettre les pochoirs à sécher, à laver, pardon. Hop, voilà, ils sont tous à tremper, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, l'astuce, c'est, j'enlève ça, hop, et je vais utiliser mes poudres à embosser. Et oui, donc en fait, là, la couleur, on ne va plus la voir, on va aller mettre de la poudre à certains endroits. Hop, et... Voilà. Donc là, j'ai mis de l'or. Et là, je vais mettre de l'argent. Donc en fait, on met les deux couleurs en même temps. Hein, parce que tout à l'heure, dans mon essai, je n'ai pas fait en même temps et ça ne marche pas. Donc là, vous voyez, une fois qu'on a mis l'or, de toute façon, l'argent ne reste pas dessus. Et là, je vais aller mettre l'argent où j'ai de la place. Vous voyez, je recouvre ma belle couleur. Quel dommage. Hop. Voilà. Et là, j'ai mis de la poudre à embosser sur la pâte à embosser qu'on appelle. D'accord? Et vous allez voir un petit peu le résultat. C'est juste magique. Donc là, hop, je chauffe. Donc attention à vos oreilles et admirez le résultat. Ça chauffe. Voilà, vous avez vu? C'est magique, hein? J'adore. J'adore, j'adore. Donc en fait, ça crépite, ça gonfle un peu plus et ça nous fait un super fond doré et argenté. Donc là, j'ai voulu faire les deux pour vous montrer. Mais en fait, ça fait vraiment les deux, quoi. Enfin, ça peut aussi s'embosser à chaud et se mettre comme ça, comme on a fait tout à l'heure, rester à plat. Donc c'est vraiment top. Je pense que pour les fêtes de fin d'année, on peut faire des super belles cartes un peu dans les tons vintage aussi, dorés comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Dites-moi tout. Et oui, sans le verre, ça marque, Cécile. En fait, vu que ta pâte, elle n'est pas sèche, la poudre adhère dessus. Et ben, du coup, tu peux chauffer.
En fait, qu'est-ce qui nous fait embosser avec le Versamark? C'est la poudre, c'est l'encre collante, le fait que la poudre colle dessus. Eh bien là, sur la pâte, c'est la même chose. Donc, on peut aussi embosser en or, en argent, en cuivre, en ce qu'on veut en fait. Eh oui, Perrine. Eh ben oui, j'aime bien vous montrer des petits trucs en plus quand même. C'est plus sympa, quoi. Donc voilà. Donc c'était le cadeau de ce soir, on va dire. Donc voilà. Bon bah écoutez, je sais pas si ça vous a plu. En tout cas, je vais même pas décorer les cartes parce que de toute façon, vous avez vu, elles sont toutes simples, hein. Donc avec celui-ci. On a fait, j'ai fait cette carte-là. Donc là, j'ai rajouté de la dentelle, ficelle de lin, un petit nœud en breloque que j'avais là. Là, j'ai utilisé la nouvelle perfo étiquette, la petite perfo fleur. Et puis voilà, vous avez vu, c'est une carte très très simple, avec un fond en brune dune et la pâte à structure pailletée. Pour celle-ci, donc celle-ci, c'est le petit fond que j'ai fait aléatoire, un petit peu où je voulais en fin de compte, et qui va me permettre de mettre sous mes fleurs. Les fleurs, c'est essence florale. Et du coup, voilà. Juste trois fleurs, enfin six en tout, j'ai mis en 3D, trois feuillages, un petit motif, un petit anniversaire. Et puis voilà, j'ai une petite carte toute simple aussi. Celle-ci, alors celle-ci, c'est les deux petits carrés que je vous ai fait voir avec le petit masking tape. Donc du coup, là, mes petits papillons, c'est des fonds aquarelles. Comme je vous avais déjà fait voir une fois, hein, donc j'ai juste découpé mes petits papillons dans le fond aquarelle et c'est après j'ai assorti avec mon papier assorti. Les petites écritures qui sont très sympas aussi que j'ai collées avec le papier double face pour pouvoir pour qu'ils collent en fait, parce que mettre de la colle sur une écriture comme ça c'est un peu compliqué. Donc ça c'était avec les petits comment le masking tape, je mets mon bras devant, je suis désolée, ou qu'on a pu faire une délimitation comme ça. Donc ça aurait pu aussi être en diagonale, ça pourrait être super sympa. Donc ça c'était deux petites cartes comme ça. On a fait notre fond à en éponge, hein, avec de l'encre pour faire cette petite carte. Donc il y aura juste à décorer après derrière. Donc si ça vous plaît, vous n'avez plus qu'à faire. Ici, on a fait donc le fond en dégradé de couleur. On a fait plusieurs couleurs. Vous avez vu, mon jaune était plus pâle parce que j'avais fait d'autres choses avant celle-ci. Et du coup, coupé en deux, ben, on va déjà avoir deux cartes. Là, j'avais déjà mon deuxième morceau qui était là. Donc, je vais déjà avoir quatre cartes de fait avec pas grand-chose, hein, franchement. Voilà. Ici, ben, je vous ai fait faire un essai sur le noir. Là, c'était pour utiliser la fin de ma chute. De ma pâte, pardon. Ici, bah, le waouh de l'atelier de ce soir, et bah, c'était l'embossage à chaud avec la poudre or et la poudre argent. Et ici, avec mon reste de pâte et mon pochoir sale d'encre colorée, en fait, on a un pochoir, enfin, un fond très subtil, très clair. J'aime beaucoup. Donc, en fait, je l'ai gardé. Et j'ai aussi fait ce fond-là. Pour la carte Marguerite, voilà, qui est là, donc avec le dégradé de couleur et les pois, vraiment sympa. Le seul que j'ai pas utilisé, c'est vraiment les branches. Avec le noir, j'avais ces deux fonds-là différents. Et du coup, j'avais aussi fait celui-ci. Donc celle-ci est très très belle, j'aime beaucoup. Il y a juste à mettre quelque chose au milieu. Et voilà. Et du coup, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais je ne le retrouve pas, décidément. C'est avec le fait de faire ces pochoirs maison. Ah oui, il est là. Donc le fait de faire ces pochoirs maison, voilà, avec la découpe bordure ornementale qui est là. Donc j'ai fait aussi ici un fond, voilà, comme ceci. Donc pensez-y, vous pouvez faire avec vos découpes, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé. Pascal, tu as aimé. Merci, c'est gentil. Merci, merci. Ah bah Claudia, bah écoute, il va y avoir le replay très bientôt. J'ai fini, je fais voir et puis voilà. Bah écoute Kiki, j'espère que tu as aimé aussi. Super, merci beaucoup. Domi, elle adore. Janine aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait embosser. Eh oui, Perrine, tu vois. Donc c'est vraiment super sympa. Eh bah écoutez, les filles, amusez-vous. Montrez-moi vos créas dès que c'est fait, hein. Et puis j'ai hâte de voir tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live à 20h mercredi. Gros bisous, passez une bonne semaine ensoleillée avec la chaleur. Je vous fais un bisou, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.